La bière est la boisson alcoolisée la plus populaire du monde. Quel que soit l'endroit où vous vous trouverez sur la planète, vous aurez sûrement la possibilité de savourer une bonne binouze. Benjamin Franklin, qui n'était pas la moitié d'un con, disait même « La bière, c'est la preuve que Dieu nous aime ». Vous, derrière votre écran, vous aimez la bière? Mais que savez-vous vraiment sur elle, Rien, ou presque. On en reparle dans 3 minutes. Les Babyloniens furent les premiers à brasser de la bière. En 1800 avant Jésus-Christ quand même. À l'époque, les responsables des mauvaises cuvées étaient noyés dans leur propre bière. Pendant longtemps, c'était les femmes qui étaient chargées de produire de la bière. Les hommes étant sûrement trop occupés à la boire ou à se taper sur la gueule. Les ouvriers égyptiens qui ont construit les pyramides étaient payés en bière. 4 litres de bière par jour, à ce qu'on dit. De quoi faire oublier l'absence de congés payés. Au Moyen-Âge, on buvait plus de bière que d'eau. L'alcool qui la compose tuait les bactéries et la rendait plus sûre que l'eau de l'époque. Aujourd'hui, cette excuse ne marche plus du tout. L'eau est le principal composant de la bière. Oui, on sait, c'est dur à encaisser. Par exemple, la Guinness de Dublin tient son goût particulier de l'eau minérale irlandaise. Voilà de quoi avoir un peu moins de remords quand vous reprendrez une énième pinte. La lumière est néfaste pour la bière. Alors faites comme les gothiques et buvez dans le noir. Le houblon et la marijuana viennent de la même famille de plantes. Par contre, il y en a un des deux qui donne vraiment envie de pisser. Zytologie. Se dit de la discipline qui s'occupe de la fabrication et de la dégustation de la bière. En France, on lui préfère biérologie, qui non seulement est moche, mais fait aussi vachement moins de points au Scrabble. La bière a de nombreuses vertus sanitaires. Diminue le risque d'infarctus, réduit le diabète, renforce les os, améliore la mémoire, aussi hydratante que l'eau après l'effort, défonce Superman au bras de fer, imite Patrick Timsit. La bière la plus chère du monde vaut 1 000 $ la bouteille. Elle n'est vendue que dans un bar, le Beer Dome, à Londres, et à ce prix, on espère franchement qu'il n'y a pas trop de mousse. La bière la plus forte du monde est à 67,5 degrés. À boire de préférence en shooter, si l'idée de mourir vous déplaît. Il y a 400 types de bières. Et c'est en Belgique qu'on trouve le plus de bières différentes. Le pays où on boit le plus de bières est la République tchèque. Bien joué les mecs, 157 litres par personne, par an et en moyenne. Une pinte par jour en gros. Il y a constamment 0,7% de la population qui est bourrée. Il y a donc à peu près une chance sur 140 que vous soyez complètement pété là maintenant. Auquel cas on ne vous félicite pas. Voilà, vous en savez plus sur votre boisson préférée. On espère que vous avez passé un bon moment. Pour nous, en tout cas, c'était super. Oh my god, you're kidding me.